La lumière demeure dans l'obscurité. L'obscurité demeure dans la lumière. Au-delà des apparences, le monde, tel qu'il est. Sous la robe de cette forêt vosgienne, un esprit ordinaire ne verrait qu'une bâtisse à l'allure de temple bouddhiste. Alors qu'un sage, lui, parlerait plutôt d'un fruit. Le fruit d'un arbre très ancien, dont la graine a été plantée il y a plus de 2500 ans. L'arbre de l'éveil ou l'arbre de Bouddha, appelez-le comme bon vous semble, dans ce fruit, on pratique zazen. Zazen est la posture de méditation dans laquelle le Bouddha historique a réalisé l'éveil. À l'instar de leur maître, ces pratiquants ont choisi l'immobilité comme moyen de vivre pleinement la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant. À quoi sert de courir le monde? Ce que vous poursuivez avec tant de zèle et d'ardeur est déjà là. La voie du zen n'est autre que la perception aiguë de l'évidence des choses. Pour peu que l'on s'y adonne, dans la pénombre et la tranquillité du dojo, zazen nous fait réaliser que seul le silence peut nous emmener au cœur de ce que nous sommes vraiment. Si quelqu'un vous demande ce qu'est le zen, ne vous évertuez pas à expliquer avec des mots. Apprenez-lui la posture, il en fera l'expérience par lui-même. Assis au centre d'un zafu, le coussin de méditation, croisez les jambes en lotus ou en demi-lotus. Le bassin est basculé en avant, la colonne érigée et les épaules sont détendues. On pousse la terre avec les genoux et le ciel avec le sommet du crâne. Le menton est rentré et le nez est à la verticale du nombril. La main gauche repose dans la main droite, paume vers le ciel, et les pouces se touchent en formant une ligne droite. Le regard se pose sur le sol à environ un mètre devant soi. L'attention pendant zazen est portée sur chacun des points de la posture, mais aussi sur la respiration, lente et profonde, puisée dans le bas-ventre, dans le Kikai Tanden, le cœur de l'énergie vitale. Le matin, après zazen, les pratiquants chantent un sutra pour porter à sa plus haute dimension le kesa, le vêtement du moine, le vêtement de celui qui a quitté la maison pour consacrer son existence à la grande libération. Traditionnellement, le moine coud lui-même son kesa en rassemblant les pièces de tissu comme il pourrait rassembler tous les multiples aspects de sa vie et les unir entre eux pour se tourner pleinement vers la voie du Bouddha. Ce chant exprime sa foi en ce vêtement de l'éveil, symbole d'une transmission de maître à disciple depuis le Bouddha Shakyamuni. Thank you.
Pas de Bouddha sans réalisation, pas de transmission sans éveil. Le bouddhisme est né en Inde 5 siècles avant Jésus-Christ. Il s'est progressivement répandu en Asie avant de retenir l'attention des milieux lettrés d'Europe au début du 19e siècle. Il s'est enrichi des éléments de culture des pays qu'il a traversés, d'où la naissance des différentes écoles, comme celle du Zen Soto, née au Japon, imprégnée de culture indienne bien sûr, mais surtout du Chan chinois. C'est à la fin des années 60 que le maître japonais Taizen Deshimaru arrive en France pour semer la graine du Zen sur la terre européenne. Grâce à son charisme et à sa faculté de rendre l'enseignement accessible à l'esprit occidental, il lègue l'essence de cette tradition à ses disciples, comme maître Reigen Wangen, qui a fondé de nombreux dojos en France et dans le sud-ouest de l'Allemagne. C'est en 1999 qu'il fonde le monastère avec l'aide de toute la communauté. La cérémonie du matin est dédiée à la parole universelle et éternelle du Bouddha, qui a traversé les siècles et le monde pour qu'apparaisse en cette forêt vosgienne le Rio Manji. Lors des séchines, les périodes intensives de pratique au temple, des novices viennent découvrir Zazen et partager le quotidien des moines. Les plus curieux pourront y passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ces retraites sont l'occasion de réaliser concrètement l'observation et la concentration, d'être très attentif aux autres et à ce qui se passe autour de soi. Il est aisé de voir que la moindre intention destinée à satisfaire l'ego a une incidence immédiate sur le bon fonctionnement du Sangha, la communauté. Le repas est le moment privilégié de pratiquer cette attention, comme ici, avec la genmai, soupe traditionnelle à base de légumes et de riz. Ici, la nourriture est reçue comme une véritable offrande, sans faire de jugement ou de comparaison. Car chaque aliment que nous consommons est le fruit d'une infinité de causes et de conditions favorables. Manger devient alors l'expression de la gratitude envers les innombrables phénomènes qui ont rendu possible ce don. Cette conscience de l'absolu se manifeste dans la justesse de chaque acte et dans l'attention portée au geste le plus ordinaire, dans lequel l'infini peut se révéler. C'est ainsi qu'en se nourrissant, le bouddhiste fortifie sa pratique pour produire l'esprit d'éveil. Dans ce silence empreint de générosité, le partage du repas prend un sens particulier. En levant son bol, cette nourriture devenue sacrée est dédiée à tous les êtres qui souffrent et dont on souhaite qu'ils obtiennent la libération. Par sa nature, l'être humain porte en lui la potentialité de bouleverser sa relation au monde.
À chaque instant, le Satori, ou l'éveil, est disponible pour celui qui veut bien en faire l'expérience. Dans l'école du Zen Soto, l'éveil n'est pas l'aboutissement d'un cheminement progressif vers un idéal spirituel. Sans procédure, la voie est directe. Et cette voie, c'est Zazen. Zazen est le précieux miroir, l'écran de la conscience sur lequel on observe les pensées, les émotions et les sensations défiler. Le regard tourné vers l'intérieur, on réalise que rien dans ce monde n'a une substance propre que l'on puisse saisir. L'esprit alors ne demeure sur rien et se libère de tout attachement. Études, enseignements, sutras, textes, poèmes. La littérature zen, aussi sacrée soit-elle, n'est qu'un moyen habile utilisé par les maîtres et les patriarches pour expliquer l'inexplicable, avec des mots. À la différence des religions du livre, le bouddhisme repose essentiellement sur une transmission orale. Lors d'un entretien, le maître a pour rôle de pointer les égarements, de désarmer la conscience personnelle qui juge sans cesse, qui compare, qui sépare et qui s'étouffe dans les catégories. Cet esprit dualiste est très utile pour communiquer, pour raisonner, pour fonctionner en société. Mais il offre un regard limité, souvent erroné, un regard renforcé par nos certitudes et nos croyances. Le sage, lui, préconise de s'éveiller à une réalité beaucoup plus vaste, au monde tel qu'il est, avant que la perception et le jugement ne le déforment. C'est ce qu'on appelle la conscience Ichiryo, la pensée à partir de la non-pensée. Si d'aventure les démons de la rêverie viennent tourmenter le moine pendant Zazen, le son même du kyosaku frappant l'épaule d'un condisciple chassera les esprits malveillants et recadrera l'intention sur la posture et la respiration. Indolore, le coup du bâton d'éveil redonne au corps sa vitalité. Dans Samu, le travail collectif au temple, nulle tâche n'est ingrate. Donnez du sens et de la profondeur à ce que vous faites, vous ferez de votre espace un dojo. En somme, Samu, c'est la continuité de Zazen. Et comme pour Zazen, la discipline se pratique en cœur, avec les autres et pour les autres. Car devenir moine, c'est consacrer sa vie au bien de tous les êtres. Si le mot religion fait un peu peur à certains, il faut le prendre ici au sens de son origine latine, religare, relié. Dans la pensée bouddhiste, ce que nous sommes, ce que le monde est,
découle d'un lien qui nous unit, d'une série de causes et d'effets, d'interactions, de karma. En d'autres termes, nous n'existons pas indépendamment les uns des autres. C'est dire si dans le zen, la question de la relation, de ce qui nous relie, est centrale. La relation que l'on a avec autrui, avec soi-même, avec l'absolu. Dans le monde des phénomènes, rien ni personne n'échappe au changement. L'esprit, comme la matière, se meut à chaque instant et en tout lieu. Tout est aussi impermanent qu'un rêve, qu'une pivoine qui flétrit sous les coups du vent, que le son d'une cloche dans l'épaisseur du temps. La vie n'est pas d'un autre lieu ni d'un autre temps qu'ici et maintenant. Qu'est-ce que donner du sens à sa vie, si ce n'est donner du sens à l'instant? Tout alors peut devenir une pratique, comme la couture du kesa, où chaque point, réalisé avec la plus noble attention, devient l'expression du vivant. Car le temps n'est pas une ligne, mais une succession de points de maintenant. De même, dans la méditation marchée, un pas, puis un autre, et encore un autre au rythme de la respiration, finissent par dessiner une ligne droite. C'est ainsi que le commencement et la fin se vivent pleinement, à chaque précieux moment de notre vie, dans une unité parfaite. C'est à l'occasion du 15e anniversaire du temple que le Roshi, le maître d'Osho Saikawa, est venu de Sao Paulo, au Brésil, où il est responsable du Zen Soto pour tout le continent sud-américain. Abbé du temple Osenji, dans le nord-ouest du Japon, Saikawa Roshi a aussi séjourné près de 10 ans aux États-Unis, où il a œuvré pour l'implantation du Zen sur le continent américain. Pour célébrer les 15 ans du Ryomonji, les moines ont fait venir du Japon un boncho, une grande cloche bouddhiste que Saikawa Roshi découvre avec beaucoup d'attention. The great assembly wake up in the joy of samadhi. L'installation d'un boncho dans un temple doit être fidèle à des codes précis. Mais avant cet examen, le Roshi se rend à la chapelle pour offrir un peu d'encens au Bouddha. Sous le regard du bienheureux, Saikawa Roshi fait Sampai. Faire Sampai, c'est se prosterner trois fois devant l'autel en signe d'abandon. On abandonne ses idées préconçues, cet esprit dualiste, pour ne faire qu'un avec le Bouddha, qu'un avec son geste, qu'un avec soi-même. Les maîtres zen japonais s'émeuvent à chaque visite en France de voir la fraîcheur et l'authenticité de la pratique transmise par maître Taizen Deshimaru, puis enseignée par ses disciples. Depuis quelques années, ce lien franco-japonais s'est renforcé pour devenir un échange fructueux, permettant à l'école Soto de s'harmoniser aux quatre coins du monde. Ce dialogue assure le maintien des principes fondamentaux de cette tradition, tout en l'adaptant aux conditions de vie européenne.
Les maîtres zen partagent la foi qu'une vie authentique et éveillée est possible. Ils ont tous suivi l'enseignement d'un maître certifié avant d'être eux-mêmes certifiés, et ce depuis près de 2600 ans. Leur vie entière est tournée vers leurs disciples, vers la transmission. Leur présence induit chez le disciple un état de conscience différent qui le pousse à la vigilance et lui permet d'éclairer sa vie à partir de la lucidité acquise pendant Zazen. Dans le cadre de cette célébration, les adeptes du Zen invitent le public à découvrir leur tradition. Près d'un millier de curieux ont pu visiter le temple, assister à des cérémonies et même s'initier à la pratique de Zazen. En ce jour spécial, plusieurs maîtres Zen venus de toute l'Europe ont tenu à être présents pour inaugurer la grande cloche, symbole d'unification entre les peuples, dont le son va se répandre au-delà du par-delà, au-delà de l'éternel. Pourquoi pratiquer Zazen? Pourquoi passer autant de temps assis sur un zafu? Pour mieux connaître la nature de notre esprit et vivre en harmonie avec ce que nous sommes au fond de nous-mêmes? Pour s'éveiller à la réalité de l'instant? Pour apprendre à accueillir avec équanimité les peines et les plaisirs? Ou peut-être pour vivre autre chose que ce que la société nous propose et choisir de ne plus délaisser l'essentiel au profit de l'accessoire. Ou simplement pour apprécier cette joie paisible et profonde que procure Zazen. La réponse à cette question n'est pas claire. Mais les nonnes et moines du Ryomonji sont là, tous les jours, dans le dojo, à l'aube et au crépuscule, assis en Zazen.